Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un moment très, très important, mes frères et sœurs. Nous allons maintenant inviter les deux familles. Les parents de notre frère Jean-Pierre sont là. Les parents de notre frère Jean-Pierre, est-ce qu'ils sont là? Ok. Ok, mettez-vous là. Là, là, vous êtes. Les parents de notre sœur Tati, est-ce qu'elles sont là? Les parents de notre sœur Tati, mettez-vous là. Les parents de Mouma Tati, mettez-vous ici. Les parents de Maman Tati, mettez-vous là. Amen. Alléluia. Je vais seulement demander à la famille de notre sœur Tati si ils avaient reçu quelque chose de la part de la famille de notre frère Jean-Pierre. Et c'est papa, vous connaissez cette famille-là? Oui, je la connais. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre? Oui, je le connais. D'accord. Et vous le connaissez comment? Est-ce qu'il est venu vous voir ou comment? Je le connais en tant que ma belle famille. Oui. Parce que Jean-Pierre, il a accompli sa parole en nous donnant la dot, quoi. Donc tous les présents, l'argent, tout. Donc tout a été donné. Tout a été donné. Pas de souci. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et si vous êtes d'accord, et donnez ta fille, Tati, à M. Jean-Pierre. Oui, je suis d'accord. C'est d'accord. Amen. Alléluia. Amen. J'ai bien de côté vers notre père Jean-Pierre. Connaissez-vous la sœur Tati? Oui, nous la connaissons très bien. Même pour les présentations, ils se sont déplacés pour venir jusque chez moi à Lille. Et ils ont passé la nuit là-bas. Jean-Pierre est venu me présenter sa raison d'existence. J'étais très content. Déjà ces jours-là, j'ai conseillé à mon fils, j'ai dit, je n'ai pas de commentaires à faire, mais la personne que vous venez de me présenter fera ton bonheur et je crois que grâce à Dieu, vous finirez ensemble. Amen. Ton fils Jean-Pierre t'a présenté oui, la future. Donc, vous êtes sûr que Jean-Pierre peut épouser Tati? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Du moment que vous l'avez dit, nous sommes d'accord avec ça. Et vous l'avez dit que un homme peut trouver une mauvaise, merveilleuse femme, trouver le bonheur. Yes. Moi, je crois que notre fils a trouvé son bonheur. Yes. Amen. C'est magnifique, restez-vous là. Papa, c'est magnifique, un grand travail, il va prier pour vous. Restez-vous là. J'aimerais seulement demander aux aspirants mariés de se lever. Notre sœur est Tati, et le Père permet de venir. Donc, on fait les vœux.
Mon frère Jean-Pierre. Voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle, selon les ordonnances de Dieu, dans cet état du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, la chérir, l'honorer et la garder autant de maladies, autant de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous attacher à elle seule tant que vous voudrez tous deux? Dites oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ma sœur, ma sœur Tati Kiam, vous devez prendre cet homme comme époux, vivre avec lui, selon les ordonnances de Dieu. Dans cet état du mariage, vous devez lui obéir, l'aimer, l'honorer, et le garder autant de maladies et autant de santé, et renonçant tout homme, vous devez vous attacher à lui seul, tant que vous ouvrez tous les deux. Dis oui, je le veux. Oui, je le veux. Le frère Jean-Pierre et la sœur Tati ont consenti tous les deux au ce mariage et ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée, et que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qu'ils déclarent en donnant et en recevant une alliance, en joignant leurs mains. Donner un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le roi des rois?
Bienvenue, c'est mon prince particulier. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien-aimé, avant de pouvoir prier, je voudrais engager les deux familles. Est-ce que je suis avec toi? Papa a invité les deux familles. Papa a lu la parole de Dieu, la Bible dit, c'est ainsi que l'homme quittera. Oh, est-ce que je suis avec toi? L'homme quitte, la femme quitte aussi. Les deux forment une famille. Alléluia. Avant de proclamer les paroles de bénédiction, je voudrais que le ciel entende les déclarations de chacune des familles. Je sais qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Amen. Aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre, qui leur engage dans leur destinée. Amen. Avant de voir le papa, avant de voir la famille, avant de proclamer, pardon, des paroles de bénédiction, je voudrais que le responsable principal de la famille avance là. Un. Voilà, merci. Et un ou une aussi avance ici. Amen. Amen. Ok, papa, comment vous appelez? Que l'église entende votre nom. Je suis Nzanga Sila. Vous êtes qui par rapport à notre frère? Je suis son père. Pas biologique, mais je suis son père qui l'a accueilli très jeune. Ok. Et après des vies, il est devenu un monsieur Nzanga Sila, qui est le parent de notre frère. De l'autre côté, nous avons notre bien-aimé, frère Jean-Claude. Notre diacre Jean-Claude. Alléluia. Amen. Vous êtes qui par rapport à notre sœur Tati? Je suis son parent, c'est ma nièce. Ok. Monsieur Nzanga Sila, vous vous levez votre main droite. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous sommes environnés des anges de Dieu. Nous sommes environnés de 24 milliards devant Dieu. Nous sommes environnés des anges de Dieu. Le Père est entouré de myriades et de myriades des anges. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Monsieur Nzanga Sila, par rapport à la parole de Dieu qui déclare que l'homme quittera, je voudrais que toi, au nom de la famille, tu t'engages à participer à la bénédiction. Le jour où tu agiras que cette famille se disloque, tu seras maudit, conformément à la parole de Dieu. Le jour où tu essaieras, au nom de toute la famille, d'agir à l'encontre des Écritures, c'est la malédiction qui s'abattra sur la famille, parce que tu représentes la famille. Il en sera de même pour de l'autre côté. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Je vais mettre des paroles dans ta bouche. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Merci. On peut, par respect, on peut se convoyer. Non, pas pour vous-même, tu sois. Ok. Moi, Nzanga Sila. Au nom de la famille de Jean-Pierre. Je m'engage. Conformément. Conformément à la parole de Dieu. Il est écrit. L'homme quittera. Jean-Pierre a quitté. Notre famille. Aujourd'hui. Conformément conforme à la parole de Dieu. Jean-Pierre n'est plus de notre famille. Il forme sa famille. Devant Dieu. Devant les anges. Au nom de Jésus-Christ. Le jour où nous tenterons à les séparer. C'est la malédiction. Qui s'abattra dans notre famille. Nous agirons pour la bénédiction dans notre famille. Et dans la famille de Jean-Pierre, au nom de Jésus, je le déclare. Amen. Merci. On peut acclamer le roi. Okay. Je vous parle avec toi. Diacre Jean-Claude. Moi, Jean-Claude. Au nom de la famille. Je m'engage. Conformément. Aux Écritures. Qui déclare ma fille quitte la maison forme sa famille au nom de Jésus il est écrit que nous devons contribuer à maintenir cette famille qui se crée
Il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a déclaré. Joint. Au nom de Jésus, nous allons travailler pour maintenir cette famille au nom de Jésus. Le jour où nous tenterons à les séparer. Nous serons maudits. Je déclare que nous participerons à la bénédiction conformément à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. L'accès est libre. Amen. Je vais prier aussi pour le parrain, mais je vais avoir d'abord les alliances. Donnez-moi. Please. Thank you. Seigneur, nous te présentons ces anneaux afin qu'ils ne soient mis dans leurs doigts respectifs. La Bible déclare, tout est sanctifié par la prière et tout est sanctifié par la parole. Père Céleste, il est écrit dans Jean chapitre 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Je lève ces anneaux dans ta présence éternelle. Depuis l'origine, depuis la source de fabrication, différentes mains par lesquelles ces anneaux sont passés. S'il y a eu des paroles de malédiction attachées à ces anneaux, par cette prière au nom de Jésus-Christ et Nazareth, que ces malédictions tombent dans le nom de Jésus. Père, que ces anneaux soient sanctifiés par cette prière. Que la puissance du sang de la grâce, du sang de l'aspersion, notre Dieu sanctifie ces anneaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, Elohim. Dans le glorieux nom de mon maître Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié le Père avec action de grâce par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant d'inviter le marié, je voudrais prier pour le parrain d'abord. Je voudrais que les hommes de Dieu que nous nous associons, ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Que les hommes de Dieu, que nous élevions la voix ensemble. Tenez-vous par la main, papa. Que les hommes de Dieu, oui, approchez-vous. Que nous élevions la voix ensemble et que nous prions en leur faveur. Parce que c'est des conseillers. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La Bible dit, le projet échoue faute des conseillers. Amen. Ils ont besoin de la sagesse divine pour soutenir c'est Marie. Amen. Amen. C'est papa Didier et sa femme. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos mains, nous allons étendre nos mains vers eux, les hommes de Dieu. Nous intercédons que Dieu leur donne la sagesse qu'il a donnée à Salomon afin de le soutenir. Dans le nom de Jésus Christ, notre Dieu. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, tu as dit demandez, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons, Seigneur, les parrains. Ô Dieu de notre salut, Père, à cause de ta fidélité, tu as dit mauvais que nous sommes si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, à plus forte raison, toi qui donneras du pain quand nous demandons du pain. Tu donneras l'esprit à celui qui demande l'esprit. Seigneur notre Dieu, la sagesse vient de toi. Nous demandons la portion de ton esprit, Seigneur notre Dieu, de la sagesse dans la vie des parrains. Ce que tu as donné à Salomon, tu es capable de leur donner, Seigneur notre Dieu. Rends-les habiles, rends-les capables. Seigneur notre Dieu, tu l'as dit dans le livre des Hébreux au chapitre 13, que le Dieu de paix vous rende capables. La Bible dit que nos capacités viennent de toi. Père, rends-les capables. Rends-les capables. Donne-leur, Seigneur notre Dieu, cette sagesse. Afin que
Il participe aussi à la bénédiction de ce couple. Toute la gloire est pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Amen. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi des merveilles. Come on. Je pense que vous allez vous souvenir de vos anneaux. Parce que j'ai pris mes lunettes. Alléluia. Alléluia. Alors, je viens auprès de mon frère Jean-Pierre. Frère Jean-Pierre, comme on a dit tout à l'heure, conformément aux ordonnances de l'Éternel Dieu d'Israël, voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle dans la sainteté du mariage, de l'état du mariage, conformément à la parole du Seigneur? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en tout temps de maladie, en tout temps de santé, en renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Si c'est le cas, un grand oui. Oui! Et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage. Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie, en temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Si c'est le cas, un amen qui va faire le tremblement des terres au nom de Jésus. Chef Tati, veux-tu prendre cet homme comme épouse et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu, donc à base, dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Si c'est le cas, un grand oui. 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 Maintenant, vous allez vous mettre des alliances. Je te laisserai le temps de pouvoir donner ce que la Bible dit, ce que Adam a dit. Voici cette fois-ci lorsque mes eaux pécheurs de ma chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te laisserai le temps de dire. Et je voudrais que tu dises avec moi. Jean-Pierre, à
avec cet anneau. Avec cet anneau. On va. Ah, l'accent va m'amener. Quoi, Pierre? L'accent va. Fais voir. Avec moi, avec cet anneau. Avec cet anneau. Vous en parlez, hein? Avec cet anneau. Avec cet anneau. Je t'épouse. Je t'épouse. Ma chère Tati. Ma chère Tati. Ma chérie Tati. Ma chérie Tati. Mon étoile Tati. Mon étoile Tati. Lorsque mes oeuvres. Lorsque mes oeuvres. Chère de ma chère. Chère de ma chère. La plus belle femme du monde. La plus belle femme. Je t'épouse. Et je te remets. Je te remets. Tous mes biens. Tous mes biens. Terrestres. Restes. Terrestres. Terrestres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma famille. Ma famille. N'a aucun mot. N'a aucun mot. Ma famille. Ma famille. Celle de où d'où je viens. Où là où je viens. N'aura aucun mot. On a aucun mot. Même si je t'achète. Même si t'achète. Un avion. Un avion. Ma famille. Ma famille. Je ne dirai rien du tout. Je t'épouse, Jean-Pierre, et je te remets, tous mes biens, terrestres, au nom de Jésus-Christ, tu es le plus beau, parmi 10 000, oh chérie, alléluia. La soumission au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean-Pierre et ma soeur Tati Kiabou ont consenti tous les deux au saint mariage à nous témoigner devant Dieu et devant cette assemblée et que par cet effet ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qu'ils ont déclaré en donnant et en recevant une alliance. En joignant leurs mains, je déclare qu'ils sont mariés et femmes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux déclarer les paroles de bénédiction dans le nom de Jésus. Ils vont continuer. Merci.
Je vais demander aux hommes de Dieu de nous entourer. Ces hommes de Dieu qui étaient là tout à l'heure. Le Dieu qui ramena d'entre les morts le grand berger et le brebis. Toi qui les fis asseoir à ta droite jusqu'à ce que tu fasses de ses adversaires son marchepied. Adonai, il est écrit, Seigneur, notre Dieu, qu'il n'était pas bon que le corps du Saint d'Israël connaisse la corruption dans le séjour des morts. Et tu les ressuscitas, tu les fis asseoir à ta droite, où il est élevé en majesté et en gloire. L'agneau de Dieu, le roi des gloires, le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de qui nous sommes en train de bénir ce couple. Père, tu as dit que la postérité de ton serviteur Abraham, possédera la porte de ses adversaires. Voici un fils d'Abraham, voici une fille d'Abraham qui ont droit aux bénédictions que tu as déclarées à leur père dans la foi, Abraham, car ils sont héritiers et héritières de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, bénéficiaire de toutes les promesses que tu as faites à notre Père Abraham. Père Dieu, mes cieux, je viens prier que ces promesses, que ces bénédictions que tu as déclarées au travers de notre Père Abraham et en Christ Jésus, dont tu nous as bénis dans le lieu céleste, que ces bénédictions descendent dans la tête de Jean-Pierre. Que ces bénédictions descendent maintenant dans la tête de ta fille Tati. Et que cela voit jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en qualité de ton serviteur, selon le mandat que tu m'as donné, je pénètre en esprit et je saisis la part que tu as réservée en faveur de ce couple. Je pénètre dans ton surnaturel. Je pénètre, Seigneur, notre Dieu, dans l'éternité, car je suis esprit. Seigneur, et je reçois leur part. Avec ma main de la foi. Seigneur, en leur imposant ces mains qui sont tes mains,
Et je déclare que cette bénédiction pénètre maintenant dans leur vie. Tu as dit à Pierre, si je te lave le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Je sais que leur part réservée, leur part mise à part, Seigneur, est en train d'être reçue maintenant au nom de Jésus. Père, à cause de ta parole, la Bible déclare, maudit soit quiconque pendu au bois. Seigneur Jésus, tu t'es fait malédiction pour que Jean-Pierre et Tati deviennent de bénédiction. Amen. Seigneur, tu as pris leur douleur, tu t'es chargé de leur souffrance et tu les as bénis. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare l'acte de toutes les ordonnances, les condamnés, cet acte-là a été déchiré. Ça a été éliminé à la croix et je déclare toutes les condamnations du monde des ténèbres dans leur vie n'ont aucun effet au nom de Jésus. Toutes les déclarations dans le monde kabbalistique, dans le monde panamonion, dans le monde des ténèbres n'ont aucun effet dans leur vie au nom de Jésus. J'annule les réclamations des familles au nom de Jésus-Christ. J'annule les déclarations de malédiction au nom de Jésus-Christ. Les hôtels des familles qui se lèvent dans la vie de Jean-Pierre et qui se lèvent dans la vie de Tati, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors je les élève au-devant de ton trône, d'un seul trône, d'un seul autel, le trône des grâces. Et je prie, Seigneur notre Dieu, le langage du trône des grâces, de miséricorde, commencez à opérer maintenant dans leur vie. Oh Dieu, il n'y a aucune influence de la famille de mon frère Jean-Pierre dans ce mariage. Il n'y a aucune influence dans la famille d'où vient ma soeur Tati. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, Seigneur notre Dieu, c'est l'influence de la parole de la foi de Dieu qui va avoir de l'effet dans leur vie. Désormais, Seigneur, en qualité de fils et de filles d'Abraham, ils expérimentent ce que tu leur as déclaré et ce qui a été programmé pour eux depuis l'éternité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare le bonheur et la grâce. Je déclare le bonheur et la grâce. Tu as dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Le projet de paix et non pas de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Celui qui se lèvera contre vous prendra de sept larges chemins au nom de Jésus. Celui qui se lèvera pour vous maudire rencontrera celui qui s'est fait malédiction à la croix de Golgotha. Celui qui vous bénira sera béni. Amen. Celui qui vous maudira sera lui-même maudit. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je déclare le bonheur, le faveur multiplié de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 115, du verset 14 au verset 15, au nom de Jésus-Christ, que le faveur multiplié de Dieu et les grâces multipliées de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus. Entrez en possession de la porte de vos adversaires. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Ce que vous allez toucher sera béni. Ce que vous allez entreprendre doit réussir au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur, avec cet acte prophétique, comme toi-même tu as dit, que celui qui essaiera de le maudire, tes rencontres. Ils sont unis, Seigneur, notre Dieu, avec cet acte prophétique dans les liens du mariage. Que les bénédictions liées au mariage, comme tu l'as déclaré dans Éden, soient leur partage. Au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir, n'a aucune influence sur leur union. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec action de grâce, j'ai ainsi prié le Père avec foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En vertu du pouvoir de Dieu, en vertu du pouvoir, conformément à la parole du Seigneur que Jésus-Christ m'a donné, je vous déclare mari et femme. Alors, mon père, tu peux embrasser ta femme.
frères Jean-Pierre et Tati, au nom de l'église Montagne de l'Éternel, par son leader, le pasteur Samuel Meya, l'église vous dédie ce cadeau. C'est la Bible, une carte aussi. Et la Bible dit que cette parole que Dieu mis sur le point de ta bouche, méditez-le jour et nuit. C'est en fait que vous resterez la volonté de Dieu. Amen. Amen. Amiral Jean-Pierre. Amen. Frère Jean-Pierre, ma soeur Tati, au nom de l'ensemble de la montagne de l'Éternel, nous vous dédions ce certificat de mariage. Signé ce jour, le 27/7/2020, il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a déclaré joint. Genèse chapitre 2, verset 24. Souvenez-vous que chaque fois que vous allez regarder ce certificat, que vous vous souveniez de toutes les paroles de promesses que vous avez données aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter Maman Mélanie et l'ancien Jean Corbeau pour le cadeau que l'église, la petite enveloppe que l'église a préparée à leur faveur. Je bénis l'Éternel et je suis dans la joie. Non pas seulement moi, mais la montagne de l'Éternel est dans la joie. Pour la raison pour laquelle je viens au nom de la montagne de l'Éternel. Je viens au nom de cette enveloppe. C'est un cadeau de la part de l'Église, la montagne de Marié, le passé aussi.